Allô le monde, comment ça va aujourd'hui? On va bien. Nouvel épisode de All the Mods Plunger 4 dans le Plunger. Épisode numéro 13. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je pense que je sais ce qu'on fait aujourd'hui. On finit notre projet, le dernier épisode, notre coffre géant. Oui, baby. Là, j'ai une idée. OK, on va faire le coffre géant. Peu importe. Au pire, on révisera. Parce que je veux votre avis. S'il y a au moins 5 personnes qui me disent dans les commentaires qui veulent me voir faire ça, je vais le faire. Mon idée, c'était de déménager la base dans le Nether. J'ai jamais fait de base. C'est moi le mur en haut là-bas, il flash. OK, il flash plus. Ah oui, il flash encore. OK. Je vais faire une base dans le Nether. J'aimerais ça essayer ça. Probablement que ce serait un défi. Fait que moi, construire ça pareil, je peux toujours déménager plus tard. Je vais regarder de quoi faire. On peut toujours faire ça plus tard. Mais on va construire le coffre aujourd'hui. Mais s'il y a 5 personnes, là, vous voyez pas mes doigts. J'ai mis 4 doigts dans les airs. Fait que s'il y a 5 personnes, puis vous voyez pas mes doigts, 5 personnes qui me disent dans les commentaires qui veulent me voir faire une base dans le Nether, je déménage tout ça dans le Nether. Puis on fait quelque chose d'intéressant dans le Nether. Anyways, m'attendre vos feedbacks, vos opinions. Là, aujourd'hui, on finit ça. On commence par ça, anyways. On va aller dire au système de faire les blocs qui nous manquent. Faut que je dise au système, j'ai fait le calcul, 5392. Wow. J'en veux. 5392. Start. Je sais pas si ça va aller vite. Ça va relativement vite, mais... Faut être patient un petit peu. Ben, je vous ramène quand je vais avoir les blocs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une petite bonne idée, ça, hein? Yeah. Ça va pas long. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Tu t'en es-tu? T'as-tu faim? T'as-tu du poisson? Es-tu beau le mur? T'aimes-tu ça quand le mur? C'est-tu intéressant? Interesting. Mode poignée du poisson, je te jure. Peut-être. Je te jure pas. Je pense que les animaux de Minecraft, ils meurent pas de faim. Oh, je pense que la nuit est arrivée. On va aller s'étendre. Mes blocs sont prêts. On va aller commencer à construire cette structure géante. Oups, j'ai descendu une coche de trop. On s'en vient ici. Oh, motherfucker. Ok. Bon, les affaires qui me suivent, parce que là, comme vous pouvez voir, mon inventaire est relativement plein. Putain, on fait ça de mannequin. Alright. Puis c'est vraiment pas tous les blocs, ça, c'est juste une partie des blocs que j'ai besoin. Là, le building gadget, il y a d'autres options. On va faire ça. Ça, c'est bon. Là, il y a surface. Non, y a-t-il une manière d'agrandir le range? Parce que je veux pas juste mettre un bloc à la fois. Fuzzy, connected surface, retrace, place on top. Oui, non. Grid, stairs, vertical wall, horizontal wall.� Un piton pour le range, je me souviens pas c'est quoi, on va le voir vite fait. Building a gadget. Range overlay, c'est R, mais là il est en conflit, c'est probablement ça le problème. Show conflit, quelque chose qui commence par R, lui c'est bon. R, toi tu vas aller, on met ça à K. Y'a-t-il d'autres choses à R, R. Jesus. Il y avait des affaires sur R. Là, l'autre est tout seul sur R. Toggle narrator. Non. On peut le mind menu. Ok, il est tout seul. Bon. Done. On retourne. Back to game. Aha. Mais c'est pas ça que je voulais. J'ai. Surface.
Ah ah, c'est ça que je veux. C'est quoi le plus grand que je peux aller? Ok, c'est 15, hein? J'ai pas checké. Ok. Boom! Oh yeah! Ça simplifie la job en esti, ça. Boom! On peut juste ces affaires-là, on peut juste rapetisser le range. Mettons. C'est bon ça. Pour sûrement finir les trous qui restent avec l'option 11. Faire une ligne. Ok, mettons. Ok, on va continuer comme ça. Après, je vais me faire une colonne de 32 de haut comme référence. Ok. Donc là, je peux retourner à. Horizontal Calling. C'est pas ça, c'est. To me, quelque chose comme ça. Build to me, c'est ça. Ah! Donc là, je peux venir ici. Ça, comme ça. Comme ça, mais ici on ne l'a pas fait. Tabarnak, ça va être du cas ça, hein, le temps? Oh yeah! Ok, là on vient, on fait une colonne de 32 dans les heures. 21, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32. Ça va être du cas, famille, ça. Là je peux techniquement juste aller faire comme ça. To me. Non? Why you no work? Why? I hate you. Comment je l'ai là? J'ai bien fait 32. Peut-être je sais pas compter. On va descendre d'ici. Je peux peut-être le faire comme ça par exemple. Je pourrais peut-être faire un mur et tout. Une option. Là c'est trop haut. Ok. Je peux pas partir de là. Ok. Je peux juste faire ça comme ça dans le fond, on va prendre 2 minutes. Ok, bon ben je vais juste à faire tous les côtés et puis on est quasiment à gradure. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Ça va me prendre un petit bout, I guess. Je sais pas si ça va être assez gros, je sais pas si il y aura assez de place. Là on est mieux les flashs encore. Interesting! C'est du coffre. J'avais 7 blocs de trop, je sais pas, j'ai fait une erreur dans mon calcul. Là, la structure ça, ne s'est pas formée parce qu'il faut que je mette un core. Il faudrait que je mette une interface aussi. Ah, c'est ça, j'ai déjà mon core, j'ai déjà quelques interfaces. Je prends mettre 4 interfaces au cas où j'avais besoin de connecter plus qu'une fois. On va mettre ça plus proche ici. Tiens, on va mettre 1, 2, 3, 4 interfaces, puis un core. Un core. Core. Et les 4 interfaces. Là, on va espérer. Prendre le while maximum. Ah, c'est 20 par 20 par 20. Non! Il ne pourrait pas donner cette information-là quand. On va redimensionner ça à 20 par 20. En même temps, je vais aller sur les internets. J'ai vu l'autre fois qu'il y avait une calculatrice pour calculer combien d'items qu'on pouvait mettre dans un coffre. Tu rentrais les chiffres, puis il te donnait l'information. Fait que, on va réduire ça à 20 par 20. C'est décevant un peu, non? Ah ben, c'est tout ce qui arrive. Je reviens dans une seconde. Bien. 20 par 20. C'est gros. C'est pas ce que je voulais. Fait que ce que je pensais, on va le mettre le bloc. Oh, c'est pas un bloc, ça. Ah oui, yep! Et voilà, il a formé le coffre. Wow, c'est du coffre, j'ai. C'est du coffre, ça. Là, ce que je pensais. C'est exactement la bonne grandeur, quasiment. J'ai assez de blocs pour en faire un deuxième. Fait que je peux pas faire 32 par 32. Fait qu'on va faire une coupe de 20 par 20, comme ça. Vous en pensez? Puis pour faire ça, pour me sauver du temps, on va essayer quelque chose. On va prendre le gadget. Le copy-paste gadget. Copy-paste gadget. C'est ce gars-là. On va se pogner des murs en masse.
Je vais tester ça. Là, là j'ai enlevé le bloc parce que je veux qu'il copie juste... je pense pas que le coffre formé en tant que tel, il soit capable de détecter quoi que ce soit. Fait que, mettons... c'est pas ça que je voulais. 9x9, just... What? Clear. Peux-tu clear? Reset. Non. Je m'en suis déjà servi. Je me souviens pas comment ça marche. Ah, c'est vrai, il y a une option genre... Ok. Copy. Ok, c'est ça. Là, je peux venir genre... on va aller en bas ici, mettons. En bas ici. Non. De même, ok. Puis là, on s'en vient ici. Puis là, on gèle un peu. L'ordinateur gèle. Ok, il y a bon avis. Comme ça. Ok, là on a sélectionné ça, parfait. Fait que techniquement, hein, je vais dans mon menu G. Paste. Non, c'est pas ça. Pourquoi? What? Ah, bon, là c'est la bonne structure. Ok, c'était weird ça. Là on veut, mettons. Site. On m'a laissé un espace de 3 entre les deux. Question de je sais pas quoi. Là, j'ai fait paste. J'avais pas assez de choses, mais peu importe. Ce qu'on va faire, on va se remplir notre inventaire encore. Puis on va paster une autre fois. Je peux-tu paster par-dessus ça? C'est qu'il accote là-dessus puis il veut pas aller plus loin. C'est correct. Si on venait ici, comme ça. Qui arrive, ok. De même, faut que maintenant je change de vue, peut-être. Il y a une manière que je peux faire ça différemment. Peut-être ici. As-tu l'air égal là-bas? On l'essaie. Non, je suis trop ça. Ouais. Bon, ben, je vais enlever ce mur-là, on va le faire manuellement. Au moins, le plus gros de la structure est fait. Ah, on va enlever ça. Bon, moi, je pense qu'il manque un bloc ou deux, peut-être suite. Allô? Comment tu t'appelles? Veux-tu une hache? Tu veux une hache? Attends un peu, on voit c'est quoi dedans. Sharpness 10, Life Mending. Je sais pas c'est quoi, Looting and Breaking, c'est pas pire, mais... J'ai vraiment pas ça. Fait que je vais te demander gentiment de t'en aller, ok? Ok, il est parti gentiment, il a pas dit un mot. C'est vraiment génial. Ok, là ici, il manquait-tu des blocs? Ouais, il manque des blocs ici. Je pense que c'est pas mal tout. Là, il faut que je fasse un core. On va faire une connexion ici, comme au bord. Mettons 4 cores, puis 4... Ouais, checker bien ça. Fun. Colossal. Ça, c'est un core. Pas très compliqué à faire, puis une interface 1, 2, 3, 4. Je sais pas oublié combien de blocs qui reste, je sais pas s'il me reste assez de place pour faire un autre. Ah, c'est vrai, il manque un bloc là pour faire un autre coffre. On va s'en faire 3 de ces coffres là, vu qu'on peut pas faire un 32 par 32. Oups. Boum! Boum! Non, c'est quoi, j'ai oublié? J'ai-tu manqué un bloc un coup de part? Ou j'ai pas fait les bonnes dimensions? Non, tu m'as poussé pas les bonnes dimensions. La hauteur est bonne. La largeur est supposée être bonne. La profondeur est bonne. Ok, faudrait que je calcule.
Ah, putain, bon. On va former lui, là. Pour ce truc. Ok, lui se forme. Pourquoi lui ne se forme pas? Peut-être qu'il manque un... Ah, je pense qu'il manque un bloc à l'intérieur. Oh, le mur est 2 d'épais ici. Voilà pourquoi. Interesting. Encore le job. On va enlever ça. Bon. C'était long, ça. Hein? C'était long en ici. C'était long longtemps. Là, il n'y a pas de bloc. Faut juste mettre les blocs ici. Ça devrait faire le boulot. Yeah! On a un deuxième coffre de 20 par 20. Là, j'ai oublié les internet, comme j'ai dit, d'aller calculer combien que ça... Ça contenait la fois de même. Oh, j'ai entendu une bébite bizarre tantôt. Puis je voulais vous la montrer comme ça, si vous jouez, puis si vous rencontrez cette bébite-là, ça peut être bon, surtout en début de jeu. C'est une grosse bébite bizarre, ça avait une araignée, je sais pas, en roche, c'est weird. Mais avec... les drops que ça donne, tu peux faire un marteau préliminé qui est vraiment génial. Même, je sais pas, je dois l'avoir encore, je vais vous montrer en fait. C'est vraiment un cool potato. C'est vrai ça, Arachnon Hammer. Puis tu peux l'enchanter comme ça là. Il est Miner's Fervor. Fervor. Ça, c'est génial. De 40 en descendant, ça mine quasi instantané. Fait que. Yeah. C'est un excellent marteau. C'est très facile à faire en début de jeu si tu tues une de ces créatures-là. Là, j'en ai entendu une, mais je sais pas ce qui est rendu parce que je la vois pas. Ah, peu importe, on a deux coffres. On a-tu assez de faire un troisième coffre? Wow! J'ai encore une petite mine à faire, ça me tente d'essayer. Faut que je fasse de l'espace. Ah! Je l'essaye. Nice! Ça, un petit peu de secondes. Why you do this to me? Ok, mon ordinateur collisionne. C'est pas moi. C'est toute beauté. Un coffre calculé, c'est 216 000 items. Fait que 648 000 items. Oh yeah! Fait que je peux maintenir 58 000 items, mais il me reste juste à connecter ça. Ça fait qu'on va faire des storage interface, on va prendre des cables, on va prendre toutes sortes de machines trucs. Allons à la maison, allons voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que on va prendre nos 3 storage. Mon système, sais-tu comment faire ça? Non, je sais pas comment faire ça. Ouais, je pense que j'en ai vu un, c'est pas dessus. J'en ai même vu deux. Mais il sait pas en faire un troisième. Ok. On va y montrer comment faire ça. Je suis à la bonne place. Storage. Storage. External storage. Tu fais ça de même, le grand. J'aimerais mieux que tu prennes ces chests-là. Fais-moi en don de ça, que je puisse changer ça dans la recette. Ah, là, il faut que je... J'en avais déjà 9. J'ai juste besoin d'un. On vient ici, enlève ça, mets ça, mets ça. Les câbles ici déjà comment, je suis pas mal sûr, faut qu'on mette ça là. On peut faire storage, en faisant un, start. Bouya! Les câbles, j'en ai-tu beaucoup les câbles? Ça va en prendre quelques-uns, fait qu'on va dire, donne-moi-en. Hop, il sait pas faire les câbles. Hep! Câble. C'est pas ça dans les noms. Tu prends des vitres ordinaires? T'es obligé d'être câble? Mon glace que je veux. Je suis obligé d'être câble? Ça, pis ça. Bon! On met ça là-dedans. Puis on demande des câbles. Donne-moi-en deux stacks. Boom. Alright. Là, faut creuser un tunnel, faut aller se coucher. Si on va là, oups, là, on atterrit. C'est ce qui m'énerve un peu ce jetpack-là, chaque fois que tu te couches dans un lit ou tu prends l'ascenseur, tu,
T'arrives toujours dans les airs, puis tu voles, puis c'est ça. On va passer un câble souterrain. Savez-vous, je me casse pas la tête, me dire qu'il est déjà souterrain. Je pense que je peux aller ici. Yeah! On prend ce bloc-là, on peut aller. On va venir ici. On n'ira pas plus. Moins cru que ça. Ok. Là, faut que j'aille jusque par quelque part là-bas. C'est quoi? M'a creusé. Dans le fond, j'aurais dû creuser jusqu'ici. Dans le fond, j'aurais dû faire ça comme ça. Un peu plus. Oups, je voulais pas tout les enlever. Comme ça, comme ça. On s'en vient comme ça. Jusqu'ici. Ok. Fait que là, je vais aller sortir. Je vais aller là-bas. On va creuser en venant ici. Avec mes interfaces. L'interface la plus proche est là. Fait qu'on va commencer ici. Alright. On creuse. C'est lui. Hein? C'est toute beauté. Bon. Jeez. Jeez, Louise. Ok. Puis on installe les câbles. Je bouge pas. Ok. Right. Ici. J'ouvre le coffre, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. On met un storage machin truc ici. Et là, techniquement, on a accès à ce coffre-là. On vient ici, on creuse un petit coup. Boum. On met un câble, on met un câble, on met un storage machin truc. Même chose ici. Là, on devrait être bon en storage pour un petit bout. Là, on va mettre un extracteur de lui, on va le vider. Ok. Je pense. Laissez-moi penser deux minutes. Lâchez-moi, je pense. Bizarre, vous êtes pas patient. Ouais, on va extraire ça de là. Comment on appelle Exporter, non, un importer. Ça m'a pris le temps à trouver le mot. J'en ai deux. J'ai-tu des upgrades déjà tout fait. Yep, trois de même, puis un de même. Fait un de même. On va dire déjà, est-ce qu'il là, ici, l'interface est à l'autre 15 heures comme ça, pour une raison que. Pas qu'il m'échappe, c'était le même dans le temps, mais c'était plus de même. Là, ici, on a. Non, c'est pas ça qu'on veut ça. Comme ça, on importe. Puis on met ça. Fait que là, les coffres devraient commencer à se remplir. Pas de lui. Pas de lui. Veux-tu commencer avec le dernier, c'était? Yep! Raison pour une autre, j'ai décidé que le dernier c'était bon. Bon, ben, on va vider ça, on va démancher ça. Je vais aussi plugger ce machin truc là. On va tout le déménager. Dans le fond, ça va me prendre des câbles. J'ai pas le choix d'attendre qu'il est fini dans le fond. C'est pas déjà vide ça? Ben non. Ah non, ok. On a pas de temps par exemple. Non, ben je finis vider ça, puis je vous ramène. Bon, lui il est vide. Il n'y a plus rien dedans. J'ai transféré mon système que je peux utiliser encore ce petit machin truc là à travers les dimensions. Yeah, tout est connecté. Tous les systèmes sont probablement rendus dans lui là-bas. Ça me surprendrait qu'il y ait parti ça entre les coffres. Boom! C'est-tu pas cute? Fait que je pense pas qu'on manque d'espace pour un bout. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que pensez à mon idée de la base dans le Nether. Laissez-moi savoir, comme j'ai dit, s'il y a 5 personnes qui me disent « Oui, je veux que tu fasses une base dans le Nether, Chuck, s'il vous plaît, fais une base dans le Nether! » j'ai passé un caillot, désolé. S'il y a 5 personnes qui commentent en bas qui me disent qu'ils veulent une base dans le Nether, je fais une base dans le Nether, je transfère tout là, on va essayer de faire quelque chose d'épique.
Je pense que ça pourrait être cool. Mais anyway, je vais attendre votre feedback. Je fais ça pour vous autres. Fait que si vous autres, vous voulez pas voir ça, ben on se cassera pas la tête. Anyways, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez un commentaire, un j'aime, c'était machin truc là. Puis on va se parler dans le prochain épisode. Bye le monde.